Gagner 20 euros par clic depuis ton PC ou ton portable, salut à toi, c'est Mathias. Dans cette vidéo, je vais te présenter une méthode en 3 étapes qui vient tout droit des États-Unis que tu vas pouvoir appliquer dès la fin de cette vidéo. Et donc, cette méthode en 3 étapes va tout simplement te permettre de générer des revenus passivement. Et donc, avec la méthode que je vais te présenter aujourd'hui, quand quelqu'un va cliquer sur ton lien, donc pour un clic, tu vas pouvoir tout simplement gagner 20 euros. Et pour 5 clics, tu vas pouvoir tout simplement gagner 100 euros. Donc il y a vraiment un potentiel de gain qui est très élevé avec la méthode que je vais te présenter aujourd'hui. Et donc tu l'auras compris, ça sera facile pour toi avec cette méthode à plus ou moins long terme de faire tes premiers 100 euros ou tes premiers 1000 euros. Et donc l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est 100% gratuite, tu n'as besoin d'aucun investissement. Autrement dit, tu as tout à gagner et rien à perdre. Elle est disponible dans le monde entier et elle ne demande aucune expérience, aucune compétence à partir du moment où tu suis toutes les étapes que je te présente dans cette vidéo. En plus de ça, je vais te montrer comment tu vas pouvoir créer un compte gratuitement et quelles sont les étapes que tu vas devoir suivre tout simplement pour générer des revenus passivement depuis ton PC ou ton portable. Tu auras juste à suivre les 3 étapes que je vais te présenter dans cette vidéo. C'est aussi simple que ça et je t'invite vraiment à ne louper aucune étape, en fait, parce que si tu loupes une étape, ça peut tout faire foirer et tu n'auras pas de résultat. Donc c'est très important que tu suives toutes les étapes de A à Z si tu veux avoir de vrais résultats. Et donc en fin de vidéo, je vais te montrer un exemple concret. Tu vas comprendre comment tu vas pouvoir tout simplement gagner de l'argent et comment tu vas pouvoir toucher cet argent. Et donc pour finir, j'ai également un e-book en bonus à te proposer en fin de vidéo. Je t'en parlerai plus en détail en fin de vidéo, mais crois-moi que c'est de l'énorme valeur. J'ai investi du temps et de l'énergie. Voilà, c'est vraiment quelque chose à haute valeur que tu retrouveras pas ailleurs. Et donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour percevoir cet e-book et pour tout simplement appliquer correctement la méthode en 3 étapes. Donc let's go, je te montre ça maintenant, sois super attentif. C'est parti. Et donc le site qu'on va utiliser pour appliquer la méthode que je vais te présenter aujourd'hui dans cette vidéo s'appelle OfferWalt. OfferWalt, je sais pas trop comment ça se prononce, mais c'est un site américain, donc je te mettrai le lien en description. Et donc je te conseille de traduire en français. Si tu es sur Chrome, tu fais clic droit, traduire en français. Donc on a des offres, c'est des sondages que tu vas pouvoir compléter. Par exemple, ici tu gagnes 2 dollars USD pour compléter ce sondage. Ici 80 dollars. Enfin voilà, tu vois que tu as plusieurs missions à faire en fait. Sauf que nous, on va se concentrer sur des missions particulières. Tu verras, c'est très très simple. Tu n'as vraiment besoin d'aucune compétence. Et à partir du moment où tu suis ce que je te montre dans cette vidéo, tu vois ici, on a du 343 dollars pour un lead. Et donc justement, les leads, c'est quoi? En gros, c'est tout simplement des liens en fait. C'est tout simplement des liens que tu vas partager. Et à chaque fois qu'une personne va cliquer sur ton lien, eh ben, tu vas gagner la somme qui est indiquée juste à côté. Donc en gros, c'est-à-dire que tu vas rediriger les gens vers une page via ton lien et à chaque fois que des gens vont être redirigés vers cette page, tu vas percevoir le gain qui est à côté. Donc par exemple, ici, on va cliquer ici, on va obtenir un lien qu'on va partager et à chaque fois que les gens vont passer par ce lien, par ton lien, tu vas toucher 117 dollars. Et donc pour ça, ça implique qu'ils remplissent un petit formulaire et je vais te montrer justement comment tu vas pouvoir faire en sorte que les gens remplissent ce formulaire pour que tu puisses toucher les gains. Mais tout ça, je vais te montrer dans cette vidéo, tu verras, c'est très très simple. Tu vois qu'on a quand même pas mal d'offres, c'est vraiment l'avantage de ce site. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de super avantageux. Et donc nous, on va se concentrer sur une offre en particulier qui est super attractive et qui va nous permettre de gagner un maximum d'argent passivement. Et donc avec cette méthode, ce sera vraiment très facile pour toi de gagner tes 100 premiers euros avec ne serait-ce que 5 clics. Il suffit de voir les montants qui sont ici. Ici, on a du 700 dollars par exemple. Donc t'imagine si tu reconduis des gens via un lien et qui donc remplissent le formulaire en question, tu gagnes tout simplement 700 dollars. Donc c'est juste énorme. Et donc tu vois qu'avec très peu de clics, tu peux vraiment avoir des montants qui sont très élevés. Et donc nous, on va se concentrer sur tout simplement un produit en particulier, ça va être les cartes cadeaux. Donc tu vois ici, on a plusieurs catégories. Il y a cartes cadeaux, cadeaux, PayPal, etc. Et donc nous, on va se concentrer sur les cartes cadeaux tout simplement parce que c'est super attractif. Les gens veulent avoir des cartes cadeaux en fait. Et tout simplement, on va pouvoir attirer les gens avec ce produit. Et tu verras que ça va être très très simple. Donc on va cliquer sur cartes cadeaux juste ici. Et donc tu vois qu'ici, on a plus de 1389 résultats pour les cartes cadeaux. C'est-à-dire qu'en fait, ici, c'est que des offres de cartes cadeaux. Et donc, en fait, comment ça fonctionne? En fait, c'est tout simplement des sites qui font gagner des cartes cadeaux. Et toi, en fait, en faisant la promotion de ces sites via un lien qui te sera fourni donc par le site OfferWalt, eh ben toi, tu vas tout simplement percevoir la somme ici à chaque fois que les personnes vont s'inscrire sur le site en question. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est que de la redirection, donc du lead en anglais. C'est comme de l'affiliation, en fait. Et donc, tu vois qu'ici, on a des gains qui sont très élevés. Payout, tu vois ici, on a du 341 dollars, 153. Enfin bref, et on a plein de cartes cadeaux différentes. On a du Amazon, on a PayPal. Donc vraiment, les montants sont très élevés. Et justement, on va pouvoir jouer là-dessus et notamment se concentrer sur les cartes cadeaux pour promouvoir nos liens et donc rediriger les gens sur les sites en question pour qu'ils s'inscrivent sur ces sites et qu'ils puissent tenter, eux, de gagner les cartes cadeaux. Et nous, en fait, on est rémunérés par le site pour, en fait, faire la promotion donc des sites
qui font gagner des cartes cadeaux. Je sais pas si tu m'as bien suivi, mais le système est très très simple et je vais te montrer comment tu vas pouvoir appliquer ça très simplement. Également, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, voilà, parce que j'ai encore plein d'autres vidéos à venir qui vont te permettre de gagner de l'argent en ligne en 2021. Donc si t'es intéressé pour saisir les meilleures opportunités donc pour gagner de l'argent en ligne en 2021 assez facilement et rapidement, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne. Il y a encore du très très lourd qui va venir. Donc par exemple, si on se concentre sur la carte Amazon donc de 500 €, donc la carte cadeau Amazon 500 €, on voit que on a du 20 $ en lead, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne passe par notre lien, s'inscrit au site, on gagne tout simplement 20 $. Et donc on va cliquer sur le lien qui est juste ici. Et donc on va arriver sur cette page, donc carte cadeau Amazon 500 €. Donc on voit qu'en lead ici on a du 20 $, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne passe par notre lien et donc s'inscrit au site pour tenter de gagner une carte cadeau Amazon, nous on va toucher 20 $. Et donc ici tu as un aperçu donc du site en question à droite. Et donc en fait c'est très très simple, à chaque fois qu'une personne va passer donc par notre lien, ils vont tomber sur cette page de vente donc de la société en question. Et en gros cette société fait gagner des cartes cadeaux Amazon. Et donc notre but à nous pour percevoir tout simplement les 20 $, c'est que la personne remplisse le formulaire qui est juste ici. Donc il rentre son nom, son deuxième nom, son email, son numéro de téléphone, son adresse, etc. Elle va rentrer toutes les données qui sont ici. La personne va tout simplement s'inscrire sur le site pour tenter de gagner une carte cadeau Amazon en fait de 500 $. À partir du moment où la personne clique sur Next, c'est considéré comme un lead, comme une validation, comme un clic, et on va tout simplement pouvoir toucher les 20 $ qui sont ici. Et là tu dois te dire, oui Mathias c'est bien beau mais c'est en américain, c'est à dire tu vois ici il faut rentrer le numéro de téléphone US, donc tu dis c'est pas possible. Mais en fait il faut bien comprendre qu'ici on peut partager des liens sur des forums américains, etc. Donc ça n'a rien à voir, la langue ne joue pas du tout ici. Donc vraiment c'est international, donc c'est l'avantage de la méthode que je te présente aujourd'hui. Et donc vraiment l'avantage de cette méthode, c'est que tu n'as pas besoin de vendre de produits, t'as pas besoin tout simplement de faire de vidéos, etc. T'as besoin de ne rien créer, t'as juste en fait besoin de partager un lien, c'est aussi simple que ça en fait. Et tout le travail est fait pour toi en fait. Les gens vont tomber sur le site en question, tu n'as rien à faire, t'as juste à partager les liens. Et à chaque fois que les gens donc s'inscrivent sur le site pour tenter de gagner une carte cadeau, toi tu touches tout simplement le lead qui est ici en fonction de l'offre que tu auras sélectionné. C'est aussi simple que ça. Et pour chaque clic en moyenne qui seront faits sur tes liens, tu vas pouvoir percevoir 20 €. Donc vraiment il y a une potentialité de gain qui est incroyable, surtout avec donc le système d'acquisition de trafic qu'on va mettre en place, que je vais te présenter tout à l'heure. Tu verras que c'est vraiment quelque chose de surpuissant qui va pouvoir vraiment faire la différence et qui va te permettre de gagner de l'argent passivement pendant que tu dors la nuit. Tu verras, c'est juste un truc de fou. Donc sois super attentif, le plus important est à venir. Et donc dans la suite de cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir avoir des clics en continu et donc toucher de l'argent en continu qui va tomber dans ton porte-monnaie. Je vais te montrer ça tout à l'heure. Ça va être un vrai générateur de clics grâce à la stratégie d'acquisition de trafic qu'on va mettre en œuvre en fait, et tu verras que tu auras besoin de rien faire et que l'argent va tomber passivement et qu'avec un clic, tu vas pouvoir gagner en moyenne 20 €. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable que je vais te présenter par la suite. Et donc l'avantage, c'est que tu vas pouvoir recevoir des clics de n'importe où dans le monde. Et donc on passe à la deuxième étape de notre stratégie. C'est une des étapes les plus importantes. Ça va consister à attirer du trafic en continu sur tes liens. Parce que le but vraiment, c'est de convertir, c'est-à-dire d'avoir des gens qui tombent sur tes liens, qui cliquent sur tes liens et qui s'inscrivent pour que tu puisses tout simplement percevoir la commission. Et pour ça, on va utiliser un réseau social qui est super connu et qui est très puissant pour ça. Il s'agit de Pinterest. Donc à titre d'exemple, tu vois, ça c'est mon compte Pinterest personnel et à chaque fois que je sors une vidéo, je crée un post donc sur Pinterest. Donc par exemple ici, j'ai mis un post qui a fait 9700 vues. Donc ça a été piné par 9 personnes, c'est-à-dire que 9 personnes ont affiché mon épingle sur leur profil et il y a 60 personnes qui ont cliqué sur mon lien. Donc ça me fait 60 vues de plus sur ma vidéo YouTube, à titre d'exemple. Tout ça pour te dire quoi? Tout ça pour te dire que Pinterest, c'est un générateur de trafic hyper puissant. Tu vois que mensuellement, tous les mois, j'ai 40 000 personnes qui tombent sur mon profil par mois. Donc ce qui peut me faire potentiellement 40 000 vues de plus sur ma chaîne YouTube. Ça fera jamais 40 000 vues de plus sur ma chaîne YouTube parce que les gens vont pas forcément aller voir ce que je fais, mais tu vois que ça fait quand même 40 000 personnes qui tombent sur mon contenu chaque mois. Tout ça pour te dire quoi? Tout ça pour te dire que on va pouvoir promouvoir nos liens via Pinterest. Et donc on va pouvoir attirer des gens dessus et des gens forcément vont être intéressés pour gagner des cartes cadeaux. Et donc ça va être super intéressant pour nous parce que ça va nous faire tout simplement de la conversion et on va pouvoir tout simplement gagner de l'argent en automatique, passivement, grâce à Pinterest. Et je vais te montrer comment tu vas pouvoir faire ça maintenant. Donc je vais te montrer un exemple concret. Donc j'ai tapé Amazon Gift Card sur Pinterest et là en fait on tombe sur des gens qui ont tout simplement mis des cartes cadeaux Amazon en pin, donc tu vois en post. En gros c'est des gens qui ont créé des posts avec des cartes cadeaux Amazon, un peu comme sur Instagram, tu vois, tu publies tes photos sur Instagram. Sauf que l'avantage avec Pinterest, c'est qu'on peut introduire des liens sur les photos. Et là, tu m'auras compris, c'est là tout l'intérêt de la stratégie qu'on va mettre en place. Donc par exemple, des cartes cadeaux Amazon de 100 $, de 1000 $,
Enfin bref, tu vois, tu as plein d'exemples de cartes cadeaux Amazon. Et quand tu vois, quand tu passes la souris donc sur les offres, tu vois qu'on a des liens. Tu vois, ici, on a des liens, par exemple. Et bien, tout simplement, c'est des liens de redirection vers des sites, des sociétés qui proposent donc de gagner, de faire gagner des cartes cadeaux Amazon à leurs utilisateurs. Donc, par exemple, je viens de cliquer sur un pin. Donc, ça, c'est un post. Donc, ça s'appelle un pin sur Pinterest. Donc, tu vois que la personne a créé un post avec une image de carte cadeau Amazon. Elle a mis un titre. Donc, gagner 500 euros Amazon, donc de cartes cadeaux Amazon gratuitement. Elle a mis une description et elle a mis surtout son lien d'affiliation donc, qui redirige vers une société, vers une entreprise, vers un site, en fait, qui propose de faire gagner des cartes cadeaux à ses utilisateurs. Donc, ces utilisateurs-là vont s'inscrire au site. Et à partir du moment où ils s'inscrivent au site, eh ben, tu vas toucher la commission donc, sur OfferWallet, dans notre cas, pour les offres qui concernent OfferWallet. Donc, on a également un autre exemple ici. Tu vois, je t'ai sélectionné un autre exemple. D'ailleurs, c'est les deux mêmes sites. On peut voir que c'est les deux mêmes sites. Gagne une carte cadeau Amazon gratuitement. Donc voilà, une petite description comme tout à l'heure. Tu peux maintenant gagner une carte cadeau Amazon gratuitement, c'est facile. Tu as juste besoin de t'inscrire à cette offre. Donc tu vois, c'est exactement ce que je te présente depuis tout à l'heure. En gros, les gens vont cliquer sur ce lien, vont s'inscrire au site pour tenter de gagner une carte cadeau Amazon. Et donc la personne va toucher une commission à partir du moment où les personnes se sont inscrites au site en question à partir de ce lien. Et donc ici, ça pourrait très bien être un lien d'OfferWallet, donc du site que je t'ai présenté tout à l'heure. Les gens vont tomber, donc vont cliquer sur lien en question, ils vont tomber sur une sorte de page d'inscription comme ça du site, ils vont s'inscrire au site. Et à chaque fois que les gens vont cliquer donc sur Next ici, à chaque fois que les gens vont s'inscrire sur le site en question, tu vas percevoir la commission. C'est aussi simple que ça. Et donc on va passer à la troisième étape. Dans cette troisième étape, je vais te montrer comment tu vas pouvoir tout simplement créer des pins sur Pinterest, promouvoir tes offres, parce que c'est vraiment ça le plus important, mettre en avant tes liens et comment faire en sorte que les gens donc cliquent sur tes liens, que tu aies un taux de conversion assez élevé. Voilà, je vais te présenter ça dans cette troisième étape, c'est l'une des plus importantes. Tu verras que c'est très simple de créer des pins attirants et facilement. Tu n'as besoin d'aucune compétence en design, en graphisme, etc. Tu as juste à suivre ce que je vais te présenter à l'écran. C'est aussi simple que ça. Donc, on passe à la troisième étape, la troisième et la dernière étape. Donc, sois très attentif, vraiment, le plus important est à venir. Et donc, pour commencer cette troisième étape, déjà, la première chose que tu dois faire, c'est créer un compte Pinterest si tu n'en as pas. Donc, c'est très simple, tu tapes Pinterest, tu cliques sur le premier lien ici, Pinterest France. Donc, tu vas tomber sur cette page, voilà, de présentation. Donc, tu vois, on a des pins ici. En gros, Pinterest, ça se présente vraiment comme... C'est un peu comme un Instagram, sauf que tu peux rajouter des liens sur tes posts, en fait. Et donc, tu vas cliquer sur t'inscrire ici, donc si tu n'as pas de compte, logiquement. Et donc, tu peux t'inscrire via ton adresse mail, tu crées un mot de passe, tu mets ton âge, fais continuer, via ton compte Facebook ou via ton compte Google, si tu as un compte Google, tout simplement. Donc, c'est vraiment très, très simple. Et donc, une fois que tu t'es inscrit, donc, tu auras accès à ton compte. Et donc, notre but, ça va être de créer des épingles pour promouvoir nos liens. Donc, c'est très simple. Pour créer une épingle, tu vas ici, donc, dans créer, en haut à gauche de ton écran, et tu vas faire... créer une épingle. Donc tu vas cliquer sur créer une épingle et tu vas arriver juste ici. Donc insérer un titre, insérer donc une description, un lien et déposer une image. Donc c'est super important de créer une épingle attractive et donc une épingle qui va se référencer avec un bon SEO. Parce que si ton épingle est mal référencée, peu de gens vont avoir accès donc à ton pin et à ton lien et donc tu vas faire beaucoup moins d'argent. Donc si tu veux vraiment optimiser la potentialité de tes liens, je te conseille d'optimiser le SEO de ton pin et c'est ce que je vais te montrer tout à l'heure. Et donc tu vois, tu auras juste à déposer une image, à mettre un titre, à mettre une description et un lien, exactement comme ont fait ces personnes. Elles ont inséré une image, une carte cadeau Amazon avec un titre, une description et tout simplement un lien de redirection. Toute la puissance en fait de cette stratégie, c'est que tu vas pouvoir créer des pins au quotidien. Et plus tu crées de pins, plus tu crées de portes d'entrée vers tes liens et plus tu as de chances donc que des gens cliquent sur tes liens, s'inscrivent et donc que tu puisses gagner de l'argent. Donc en fait, c'est plus tu appliques cette stratégie, plus tu as de chances de gagner de l'argent. Donc plus tu développes ton compte Pinterest, plus tu as de chances de gagner de l'argent. Et tu verras que tu crées un pin, c'est vraiment très simple, ça prend 2 minutes, je vais te le montrer maintenant. Et donc plus tu fais ça au quotidien, si tu fais ça au quotidien, tu décuples fortement tes chances donc de gagner de l'argent. Et donc on va se rendre sur Google Images. Donc tu vas te rendre sur Google Images, tu vas taper Free Amazon Gift Card ou si c'est PayPal Free, PayPal Gift Card. Donc on fait entrer et donc tu vois qu'on tombe donc sur plein d'images de cartes cadeaux Amazon qu'on va pouvoir exploiter pour tout simplement créer un pin sur Pinterest. Donc voilà, je pense que tu as saisi la stratégie et à chaque fois que tu vas créer un pin, donc tu vas prendre une image différente. Et donc petite subtilité, il faut prendre des images bien entendu libres de droit, c'est super important si tu veux pas avoir de problème. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer sur paramètres ici, tu vas aller dans paramètres recherche avancée juste ici et donc tu vas descendre tout en bas, donc droit d'usage. Tu vas aller donc licence Creative Commons, ça veut dire donc licence libre de droit. Tu vas cliquer sur recherche avancée juste ici. Et donc là, normalement, tu vas tomber
sur des images qui sont libres de droit que tu vas pouvoir exploiter. Par exemple, on a cette image. Donc on va très bien pouvoir utiliser cette image pour promouvoir donc notre lien. On va pouvoir créer donc un pin sur Pinterest avec cette image. Donc tu vas cliquer sur enregistrer sous, tu vas l'enregistrer sur ton bureau tout simplement. Je vais la mettre sur mon bureau, tac. Et donc on va pouvoir l'utiliser pour créer notre pin sur Pinterest et promouvoir notre lien. Donc tu vois que c'est une image qui est de plutôt bonne qualité. Je te conseille de prendre des images de bonne qualité. Et donc en fait c'est un peu comme des miniatures YouTube. Le but ça va être d'attirer l'attention des gens. Donc je te conseille de prendre des images qui sont quand même assez potables. Donc on retourne sur notre Pinterest. Et donc notre but là ça va être d'insérer tout simplement l'image qu'on vient de télécharger. Donc on va la mettre juste ici, voilà à quoi ça ressemble. Donc tu vois que c'est très clean, hein, ça fait plutôt propre. Et donc notre but maintenant ça va être d'ajouter un titre, de mettre une description, donc optimisée pour le SEO, et d'insérer donc notre lien tout simplement de redirection qui va nous permettre de gagner de l'argent. Et donc en titre on peut mettre un truc assez aguicheur, gagne une carte cadeau Amazon gratuitement, voilà, tac, gratuitement. Et là entre parenthèses tu peux mettre par exemple quantité limitée, tac, comme ça ça met un peu de pression et donc ça force les gens à aller voir, à cliquer sur le lien. Voilà, là tu mets vraiment un élément de pression, c'est vraiment un super titre. Donc voilà, le but c'est de mettre un titre donc qui va se référencer. Donc tu mets bien entendu Amazon dans le titre. Voilà, si c'est une carte cadeau PayPal, tu mets PayPal dans le titre. Et donc ton but c'est d'ajouter un petit élément de pression comme ça, donc, par exemple quantité limitée. Et petite subtilité très importante, je te rappelle qu'on utilise un site américain, donc on s'adresse plutôt à l'international. Donc tu vas traduire tout simplement ton titre en anglais. Donc tu vas te rendre sur Google traduction, tu vas faire coller ici. Et donc voilà, win an Amazon gift card for free, limited quantity. Voilà mon super accent, tu fais copier, tu retournes donc sur Pinterest, tac, tu fais coller. Et voilà, nickel. Donc là, tu as ton titre, gagne une carte cadeau Amazon gratuitement, quantité limitée. Donc voilà, une fois que tu as fait ça, ton but, ça va être de mettre une description. Très important parce que c'est là que tu vas convaincre la personne de passer par ton lien. Donc pour la description, c'est très simple. Tu vas mettre, clique simplement sur le lien collé sur l'image, inscris-toi et tente ta chance de gagner une carte cadeau Amazon gratuitement. Voilà, tu fais coller, tac. Tu retournes sur Google Traduction, même process que tout à l'heure. Tac, tu traduis en anglais et tu as juste à coller en fait. Coller, tu retournes sur Pinterest, tac, tu fais coller et tu as tout simplement ta description, ton titre, ton image, et il ne reste plus qu'à insérer le lien. C'est aussi simple que ça. Pour ça, tu vas coller le lien d'affiliation donc, que tu as obtenu sur OfferVault. Donc, c'est très simple. Pour obtenir ton lien d'affiliation, tu vas faire Join Network juste ici. Tu vas obtenir ton lien d'affiliation par rapport à cette offre, tout simplement. Et donc, tu vas tout simplement coller ton lien juste ici. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et tu vas faire publier juste ici. Et tu auras juste à reproduire ce processus à l'infini pour toutes les offres que tu pourras trouver donc sur OfferVault. Tu vois qu'il y a énormément d'offres de cartes cadeaux qui rapportent vraiment bien. Donc tu vois, on a des leads à 80$, donc c'est vraiment énorme. Tu vois qu'on a des leads à 340$, 150$, enfin bref, on a vraiment des leads qui sont très élevés et que tu vas pouvoir exploiter. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un lien sur OfferVault, tu vas pouvoir créer tout simplement un pin sur Pinterest pour promouvoir ton lien. Et plus tu crées de pins, plus tu promouvois de liens, plus tu as de chances de gagner de l'argent en automatique sur OfferVault. C'est aussi simple que ça. Et en sachant vraiment que Pinterest est une machine à trafic et que c'est vraiment exponentiel, les résultats que tu vas obtenir sur Pinterest sont exponentiels, il y a vraiment moyen que tu gagnes énormément d'argent. Tu vois que à titre personnel, je fais 40K donc, de vues mensuelles sur Pinterest. Donc imagine si tu publies chaque jour un pin avec un lien donc d'affiliation, tu peux vraiment gagner énormément d'argent. Et donc, tu as juste à cliquer sur publier. Et donc, pour résumer, c'est très simple. Tu vas sélectionner une offre donc sur OfferVault. Donc, n'oublie pas, tu te rends dans carte cadeau. C'est vraiment quelque chose de super attractif. Tu sélectionnes tout simplement une offre. Donc, tu vas tomber donc sur une offre comme on l'a vu tout à l'heure. Tu vas promouvoir donc ton lien sur Pinterest, encore une fois, via un pin que tu vas créer. Donc, tu vas sélectionner une image. Tu vas prendre une image que tu vas aller chercher donc sur tout simplement Google Images, libre de droit bien entendu. Tu vas créer un pin, donc tu vas insérer l'image, tu vas rentrer un titre optimisé pour le SEO, entrer une description optimisée pour le SEO, tu vas insérer ton lien juste ici, et à chaque fois qu'une personne donc va passer par un lien qui sera présenté sur une de tes épingles, il va tomber donc sur un site qui va lui permettre de s'inscrire pour tenter de gagner une carte cadeau Amazon. Et à chaque fois qu'une personne donc s'inscrit sur le site via ton lien d'affiliation,
donc via Pinterest idéalement, et bah tu vas toucher une commission. C'est aussi simple que ça. Donc si tu fais ça au quotidien, crois-moi qu'il y a de fortes chances que tu gagnes énormément d'argent passivement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu. C'est vraiment une stratégie en 3 étapes que tu peux appliquer dès maintenant. Je t'invite vraiment à l'appliquer et à être super régulier. Vraiment, c'est la clé de la réussite. Si tu veux vraiment obtenir des résultats avec cette stratégie, ça implique d'être régulier au quotidien et de viser le long terme. Crois-moi que ça fera vraiment la différence pour toi. Et donc, comme je t'en ai parlé en début de vidéo, j'ai un ebook à t'offrir. C'est tout simplement un ebook sur le référencement YouTube. Voilà, comment tout simplement référencer tes vidéos pour attirer des vues, attirer du trafic et construire une communauté, donc avec ta chaîne YouTube, voilà, créer une audience, tout simplement, parce que le référencement, c'est vraiment quelque chose de super important si tu veux que tes vidéos fonctionnent et si tu veux développer une audience en 2021 avec ta chaîne YouTube. Donc tu peux accéder en description, c'est sur mon groupe Telegram privé, tu verras que ça sera épinglé, tu auras juste à télécharger l'ebook. C'est un ebook de 12 pages où j'apporte énormément de valeur, c'est un plan d'action en 10 étapes, si je me souviens bien. Mais voilà, vraiment, c'est quelque chose d'incroyable que je t'offre là. C'est de l'énorme valeur. J'y ai passé beaucoup de temps. Donc, si vraiment, tu as une chaîne YouTube qui ne fonctionne pas ou si tu veux te lancer sur YouTube, je t'invite vraiment à télécharger cet ebook et à rejoindre ce groupe Telegram. En tout cas, voilà, c'était un vrai plaisir pour moi de t'avoir fait cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, voilà, à liker la vidéo et à me poser des questions en commentaire si tu en as. J'ai énormément d'autres vidéos à te proposer sur la chaîne YouTube en 2021 pour que tu puisses gagner de l'argent en ligne depuis ton PC ou ton portable. Je t'ai même fait une suggestion de vidéo en description. Voilà, n'hésite pas à aller checker. J'ai fait énormément de vidéos qui te permettent de gagner de l'argent en ligne. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette méthode va fonctionner pour toi. Je te souhaite beaucoup de réussite. Je te souhaite d'accomplir tes objectifs et de mener à bien tes projets, vraiment. Et j'espère te revoir très très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. À très très bientôt. C'était Mathias.